Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, la marque de la bête. Quelle est donc la marque que nous devons éviter de recevoir? Comme nous l'avons vu dans une leçon précédente, la quatrième bête de Daniel 7, dans la dernière phase, également décrite comme la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 15, espérera changer les temps et la loi. Daniel 7, verset 25. Une loi qu'elle espérait changer était le sabbat, le quatrième commandement, le seul des 10 qui fasse référence au temps et qui renvoie directement à Dieu comme étant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le septième jour. Exode 20, verset 11. En attendant, le message du premier ange qui ramène le lecteur au même commandement, celui que la bête a le pouvoir de changer, dit clairement que nous devons adorer le Seigneur seul en tant que créateur. Puis, après un avertissement sur le destin de ceux qui, à la place, adorent la bête et son image, Apocalypse 14, verset 9, le peuple de Dieu resté fidèle est écrit au verset 12. Lisons Apocalypse 14, verset 12. Étant donné le contexte immédiat, en quoi cette description du peuple fidèle de Dieu nous permet-elle de comprendre pourquoi le sabbat est aussi central dans les derniers événements? Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le texte dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 12. Comme nous l'avons vu, le quatrième commandement, le sabbat, fait partie des commandements de Dieu et il renvoie à Dieu comme créateur et comme celui seul qui doit être adoré. Il n'est donc pas surprenant que la question de la marque de la bête soit en lien direct avec la question de l'adoration du dimanche, un sabbat de contrefaçon qui n'est pas requis dans la Bible, contrairement à l'observation du quatrième commandement. Cela signifie-t-il que les chrétiens qui adorent Dieu le dimanche ont déjà la marque de la bête? Non. D'après Apocalypse 13, verset 15, ceux qui refusent de s'associer à ce faux culte de la bête seront tués. Cela deviendra au final une question de vie ou de mort. Mais bien évidemment, nous n'en sommes pas encore arrivés là. Et la marque de la bête ne sera pas donnée avant cette épreuve finale. Par conséquent, personne n'a encore reçu la marque de la bête. Les commandements de Dieu, la foi de Jésus. Pourquoi ces caractéristiques, même aujourd'hui, constituent-elles des aspects cruciaux de ce que signifie être un véritable chrétien? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si nous nous focalisons sur les sceaux de Dieu pour nous, est-il nécessaire d'étudier et de déchiffrer les symboles et les avertissements de la fête? Au revoir. Et à demain si je veux. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.